Rien de plus simple. Et ben, il glisse. Allez. Alors là. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Siam. Merci beaucoup. Bien, coucou tout le monde, c'est Christo, ça me fait super plaisir et bien d'être ici aujourd'hui au bord et bien d'une jolie petite plage. Je suis actuellement à Ajaccio, j'ai été invité en fait par Icare Technologies pour tester une bague connectée qui se nomme Aeklis. Alors là je suis actuellement avec Jérémy Néroux. Plaisir en tout cas d'être avec toi puisque c'est toi qui a décidé de lancer ce projet là en fait, qui a eu cette idée en tout cas. C'est ça, donc on a développé cette bague. Ouais. Donc, qui s'appelle Aeklis et qui va permettre de remplacer vos clés, vos moyens de paiement. Pendant 3 jours, tu vas l'utiliser pour rentrer dans ton hôtel, démarrer ton jet ski, ton bateau, ta voiture. D'accord, donc ce qui est fou en fait, c'est qu'avec cette bague là, je peux démarrer, donc comme tu as dit, mon jet ski et tout, en sans contact. Et que vraiment l'intérêt aussi, et ce qu'il faut vraiment mettre en valeur, c'est qu'au final, on la garde au doigt et puis après en fait on n'y pense même plus en vrai. C'est ça. Ça reste sur le doigt et puis on est tranquille pendant un petit moment. C'est ça en fait, c'est ton trousseau de clés, ton portefeuille. Ouais. Et donc ça c'est une idée qui a commencé sur cette plage justement, c'est pour ça qu'on a souhaité vous faire le premier séjour ici. Et on va même pouvoir payer au-delà des limites, donc jusqu'à maintenant on peut payer jusqu'à 30 euros, c'est ça. Et jusqu'à 600 euros en un coup comme ça. Et c'est léger en fait, c'est super léger. Un matériau qui est à la fois résistant, étanche et qui embarque plein de sécurité. Sachant qu'il est au niveau d'autonomie, je connais la réponse, mais je te pose la question quand même, ça dure combien de temps au niveau d'autonomie? Alors la bague que vous allez avoir est complètement autonome. Ouais. C'est-à-dire que tu pourrais la garder 10 ans, mais tu ne pourras pas la garder 10 ans parce que le composant bancaire qui se trouve à l'intérieur impose des limites, comme ta carte bancaire que tu dois renouveler tous les 2 ans. Forcément. Deux ans et demi. Des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire qu'on peut stopper à un certain moment, d'émettre des ondes électromagnétiques, c'est ça? Il a super bien. Ouais. Je savais déjà un peu avant. Non, parce que c'est ce genre de choses, moi je regarde énormément quand il y a des produits high-tech, ce genre de choses. C'est aussi la fiabilité que derrière, que ce soit bien sécurisé. Et surtout, je sais très bien, forcément, quand on émet des ondes électromagnétiques, des gens peuvent intercepter ces données-là et qu'ils peuvent les utiliser, on va dire, en mauvaise escient. Cette bague, il y a 14 brevets qui ont été déposés pour protéger un peu 14 brevets, toutes ces innovations. C'est pas mal. Ouais. Et il faut faire un geste pour l'autoriser à fonctionner. C'est-à-dire que quand on est dans un métro, un train, j'ai ma main comme ça, personne ne peut la lire, il passe à côté, elle ne répondra pas. Ouais. Et quand je veux l'utiliser, je dois fermer la main, pincer le côté, et à ce moment-là, la bague fonctionne. La fine, s'il te plaît. Merci. Tu peux te mettre à genoux. Tout le plaisir pour moi. Ah, c'est beau. Tu fais de moi le plus heureux du monde. Pas de soucis. C'est parti. Ça pose juste ici, à peu près. Exactement. Hop, c'est bon, tu peux retirer. Vérification en cours. Et voilà, paiement accepté. Super. Ticket. Ça, c'est le ticket commerçant. Ticket client. Tac. Ouais. Et là, le ticket commerçant. Le paiement de 1 euro. Alors, c'est parti. Chambre 139. J'ai la poignée. Je mets ma bague. Hop. Et ça s'ouvre comme par magie. Et puis je rentre. On profite maintenant pour vous montrer un petit peu la petite chambre au Radisson. C'est la fonctionnalité OK Google. Allume toutes les lumières. Très bien. J'allume 8 lumières. Coucou la caméra. Le truc qui te permet quand tu travailles d'être vraiment mais dans de très bonnes conditions, c'est ce que j'appelle la terrasse jour. Face de la mer. Oh là 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 là. Sachant qu'il y a une piscine tout au fond sur la gauche. Maintenant on va faire un petit restaurant où nous allons aussi bien entendu tester la bague. Donc ça va être assez sympa. Oui, avec une bague. Ah, la liberté. Ça y est.
C'est parti pour la deuxième journée et aujourd'hui donc il y aura des surprises. On va utiliser la bague connectée et normalement on va voir aussi le maire d'Ajaccio. Donc je tenais déjà à vous remercier de nous avoir autant investi, vous et vos équipes. Ajaccio est un cadre plutôt attrayant. Donc je voudrais vous remercier d'être venu nous rendre visite. C'est parti pour le paiement au resto. Je suis responsable de rien. Alors donc, la bague. Mais en plus, tu le fais sur ton portable. Paiement accepté. Et hop, c'est bon. Et avec la bague. Bah merci beaucoup. Donc j'ai payé avec ma bague pour un montant de 110€. J'ai utilisé sa bague plutôt pour ouvrir ta voiture. Juste avant, on va tester avec ma bague. Logiquement, ça ne devrait pas fonctionner. On teste rapidement. Je mets ma bague. Et donc à ce moment-là, il n'y a rien qui se passe. Et là, ouais, c'est fou. Et là, la voiture est ouverte. Voilà, t'as juste à poser la bague. Voilà. Je ne sais pas quoi dire en fait. Bon, et aujourd'hui du jet ski, et je pense que les jet skis arrivent au bord de la plage en face de l'hôtel. Donc nous sommes aujourd'hui le jour 3, petit réveil, petit déjeuner. Regarde-moi ça. Et bien c'est la fin de ce petit voyage à Ajaccio. Je suis très content d'avoir pu déjà utiliser cette bague connectée, que ce soit pour ouvrir la chambre d'hôtel, pour démarrer le jet ski, pour faire des paiements, tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable pour une bague. Donc je vais mettre aussi dans la description, il y a le lien de leur site internet avec les préventes aussi, les précommandes. Donc ça peut être intéressant pour vous, juste de regarder un petit peu au niveau vraiment des caractéristiques, tout ça, ça peut vraiment vous intéresser. En tout cas, moi j'ai passé de très très belles journées, j'ai un petit peu bronzé, donc c'est assez cool. Ajaccio c'est quand même une très belle ville, je suis assez étonné. Ils sont très respectueux, on mange franchement super bien. J'ai pas eu vraiment de bug moi de mon côté au niveau de ma porte et tout, donc je suis vraiment mais très content. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.